Maintenant, nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté homme d'affaires et leader troisième voie, Reginald Boulos, avec ancien sénateur Youri La Tortue, qui est leader et Haïti en action, avec ancien premier ministre Jean-Henri Seyan, il te répond à convocation unité lutte contre corruption ULCC dans le cadre d'enquête institution étatique là, mené sous prêt qui fait dans le programme ONAMART, ONAPHARMA. Déclaration trois personnalités sa yo après session 1. Reginald Boulos, Youri La Tortue et Jean-Henri Seyan. Session bien passée. Et je ne crois que décelé, contrairement à ça, il n'y a aucune contradiction. Nous, bah, yo, toute information était besoin. Yo, son dossier mort est lié. Il n'y a pas rien là-dedans. Vrai dossier, pour que j'en voulais manger. Mais dossier on a mat, on a fama, c'est une des plus belles dossiers, c'est une des plus belles programmes et on a jamais fait. Et moi, félicite M. ULCCO, mais moi, il a pêché mauvais côté. Nous, ouais, que c'est une persécution politique, je vais. Donc, sur ce point-là, nous finissons là, je ne pas quoi après les noms encore. Mais sous question de contradiction, je dis que vous avez relevé. Moi-même, je n'ai pas relevé aucune contradiction. Nous reposons les mêmes questions et nous répondons exactement. Jean nous t'ai répondu déjà. Moi, je pensais que c'est la même conclusion que je dis à gagner. Très actif là. Pour que nous mettions sous pied ferme là, et bien, il paye régulièrement, et puis à faire la ferme, les gars, John Dédil, il n'y a pas de faire avec l'autre monde, et que tu paye régulièrement. Donc, pour moi, il n'y a aucune contradiction que je t'ai parlé dans la lettre là, que je relevé à l'intérieur. C'est les mêmes questions, et nous-mêmes, nous portons les mêmes réponses. Il y a un dossier, un dossier vide, un dossier prêt, de manière professionnelle, et tout le monde répond. Je voulais répondre en disant la vérité en tant que notaire qui travaille sur le dossier. Trois personnalités ça te répondent convocation ULCC, unité lutte contre corruption pour une contradiction qui t'a gagné dans près que de la dernière t'es fait dans ONA. Dans l'autre nouvelle concernant le pays d'Haïti, toujours Union nationale des sous-agents de transfert d'Haïti, UNATA, qui pas d'accord avec circulaire 114-2 18 septembre 2020, Banque République d'Haïti, BRH, descendent dans la rue Jodia pour forcer responsable BRH à annuler décision ça. Protestateurs dénoncer tout quelques institutions bancaires qui refusent de bailler au dollar pour être capable de servir clients. Et correspondant à nous, Massiado Vilme, tu es là et la fait nous vivre en bien cela. Et même, nous cherchons mon capitaine de mon emploi, on sait mon emploi. Il y a combien de monde dans le chômage? Et ça, il y a même, il y a tout net. Ça veut dire que yeah, exactement, son emploi est mieux. Je travaille dans le bureau de ce fait. Exactement, je me suis menacé. Moi-même, je suis chômé. Petit, tout le monde est en train de entourage, tout le monde va chômer, tout le monde va avoir des problèmes. Il n'est pas bon pour nous, mes amis, il n'est pas bon pour Haïti. Facteur, il commence à fermer. Comme si on avait tout le monde net, tout le monde net dans le chômage. Quand on est payé, il n'est pas bon. La revendication, c'est pour monsieur. Il y a un chien d'abord ensemble avec nous, puis on entend plus bien sous ça. Et puis nous-mêmes, nous connaissons comment on a fait là pour nous avancer parce que faut que la classe moyenne. On va éliminer la classe moyenne, elle va aussi dans le pays. Nous estimons que la classe moyenne, les banques intérêts économiques haïtiennes, les banques intérêts haïtiennes, c'est l'optique ça nous-mêmes nous faisons manifestation. Je nous ai annoncé ça, je dis à ce premier signal que nous voulons faire pour nous faire comprendre que nous ne pas accepter, nous ne pas prendre la main. Normalement, pour les bagages, je demande pour nous payer le conseil en route et que nous ne pas d'accord. Je demande que pour nous payer tout dollar dans la main, parce que le classement n'a pas de droit avec dollar. Donc ça, nous voyons que ce n'est pas bon pour le peuple, ce n'est pas bon pour le business. Donc nous ne sommes pas d'accord avec ce que nous voulons aujourd'hui. Là. Toujours dans le dossier appréciation Goudla par rapport à dollar américain, leader parti politique Petite Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, l'a rencontré avec la presse côté l'a dénoncé. Yon plan li di côté patron usine factory yo gen pour fermer porte entreprise yo si dollars américains pas reprendre jarret li par rapport à Goudla. Moi Jean-Charles mandé ouvrier factory yo rete mobilisé.
correspondant nous, Renan Toussaint, qui est présent. Mettre facteur Gonlé, c'est capable de faire manifestation pour dollar monter. Nous voyons ça qui commence à passer. Yo pas venu directement, yo voyez ouvrier yo. N'était dans nord. N'était dans des ça ouvrier t'a dit. N'était dans tout économie se bail parler pour yo. Et mais c'est pour ça m'inviter nous matin pour me parler avec nous la presse parler qui était télévisé. Ouvrier yo pas occupé mettre factory yo. Yo veut mettre nous en face moi, yo veut mettre nous en face ça qu'a fait là. Les a dit offre dollar c'est 98 gouttes pour l'été, sinon vous pas révoquer moun. Bon, mettre factory yo. Gala n'oublie. C'est 39 gouttes dollar te. Bon, l'el de 39 gouttes. Nous pas révoquer moun. Et puis je dis en dollar monte. Dollar monte. Hein. C'est pas en fonction de variation ton dollar, non? Gros compagnie multinationale yo paye nous. Ça veut dire qui ça? Nous te pas moun yo travail à 39 gouttes pour un dollar. Je dis en dollar monté, c'est parce que nous te bay bateau du riz, bateau farine, dans campagne, et puis nous avons boulevard devant nous. Je ne peux pas comprendre je dis, pour nous voir ouvrier. Al parler sous question. Si dollar pas monté, on ne va pas faire mes potes nous. Au contraire, c'est pas que criminel nous yo, moun factory yo. Nous pouvons pas être esclaves, nous mettez yo, nous déguiser yo, nous faire travail pour nous. La vie pas jamais améliorer. Jodi an, la vie chap tire moun sa yo. Et puis n'a voye yo parler dans radio. Et puis vous voyez tout avec la presse m'a parlé avec nous. Est-ce que mais factorio qui paye taxe, est-ce que c'est dans variation taux dollar qui paye taxe? Non. Ça veut dire, dollar baisse 39 ou 40 gouttes, mais factorio, il y a pas toujours gagné, moun kap travaille avec yo. Parce que ça 39 gouttes dollar, c'est bah, ça qui change. Au contraire, les dollars montent, on fait plus d'argent. Mais les descendent tout, ça pas dit, il a fait perdre pour ça. Nous devons parler avec ouvriers, yo, qui me semble yo, pas occupé. Moun, qui est factory yo, qui vont dans la radio. Toujours dans la rencontre avec la presse là, ancien sénateur, mandé pour prix produit yo, bien avec service, descendre sous marché national là par rapport à appréciation goud là devant dollar américain. Ancien sénateur, Moïse Jean-Charles. Si, galon gaz là, te vend, on prix. Laisse te besoin pile goud pour acheter dollar. Mais je dis un dollar plus facile. Eh bien, mes amis, prix gaz dans tout, il faut que je baisse. Et, gasoline nan, avec diesel, il faut que je baisse. Mais, pour pas, qu'est-ce que les Haïtiens ont utilisé pour faire manger dans la capitale là surtout? En dehors, ils ne prennent pas de bois pour faire manger. Mais dans la capitale là surtout, c'est gaz pour pas dans le monde. Pour faire manger. Et puis, dollar baissé, gazoline pas baissé, diesel pas baissé, gaz pour vendre pas baissé. C'est le bagage peuple là. Majorité, ou bien 95% de son gazoline, yo, c'est pour moun kasmaen. Moun qui pauvre, moun kasmaen. Et pas pour nous passer pour nous, si on parle de ce gaz là. N'a pas cherché côté, messieurs gros bourgeois, mettez stock, yo. C'est là pour nous manifester. Et ça fait nous bayon pinga, comme nous te bayon 15 jours pour prix produit au BC. Or nous découvrons qu'il y a des bagages qui font BC, mais quand il y a des bagages qui font BC, en comme si prix aurait tiré sous ciment, nous allons regarder M. Bourgeois comme ça. Prix aurait tiré sous fer, nous allons regarder comme ça. Nous venons parler avec M. Bourgeois. Pas encourager quoi les peuples là. Ministère commerce. Nous devons dire notre numéro de téléphone pour nous dire côté à faire nos habits, pour nous dire mais qui peut bagarre. Ah, nous devons faire tirer peuple, nous devons prendre numéro de téléphone ça pour nous aller à la bourgeoisie. Pour aller tirer peuple là. Non, ministère de commerce, c'est pour bailler un nombre gros monde qui va porter du dans le pays pour peuple connaître. C'est pour bailler un nombre gros monde qui va porter ciment dans le pays pour peuple connaître.
Lettre bon goût, c'est 50 goud. Mais quand on entendait, c'est 25 goud. Non! C'est pour le plus bas. C'est qui importe du riz. On ne parle pas avec des temps, non? On ne parle pas avec des gens qui sont en non? Mais on parle avec des gens qui sont en banque. C'est eux-mêmes encore qui importe par exemple dans le pays. Faut, si le dollar baisse, il faut que le produit monte et descende. Quand il y a, qui c'est la bourgeoisie fait nous? La bourgeoisie met des prix en goud et puis prix en plus haut. Parce que l'autre appelle en dollar américain, quand tu ne vas pas comprendre, après ça, maintenant, c'est la matière. Peuple haïtien, nous allons voir mon petit Dessalines. La caille, 5 gros mouns qui peuvent porter du dans le pays. Et pas la caille privée ou non? Dans l'entreprise, dans le business. Nous allons voir ça un petit cob pour aller prendre qui prix chaque gros moun ça va vendre du riz. Nous allons voir. Mon petit de Saligno, possibilité, mais nous allons voir comme ça, non, nous allons faire un badge pour vacabon pour faire des ordres dans nous. Puis elle prend qui prix? Gros moun, qui peut porter lettre yo. Gros moun, qui peut porter spaghetti yo. Qui peut y vendre, je dis en pendant dollars 60 gouttes ou bien 65 gouttes. Et qui peut y vendre, l'LT 125 gouttes pour nous voir la différence là. C'était ancien sénateur Moïse Jean-Charles, leader petit de Saline. Dans une rencontre avec la presse côté correspondant nous Renan Toussaint est sous place. L'autre point dans actualité à concernant le pays d'Haïti, yon leader syndical dans niveau secteur sous-traitance là en Haïti, syndicaliste Dominique Saint-Éloi, mandé autorité compétente pour prendre disposition pour prix tout produit bien ak service descendre dans le pays d'Haïti par rapport à appréciation goud la devant dollar américain. Dominique Saint-Éloi plaide tout en faveur ajustement salarial pour ouvrier factorio. Même nous mandé faut vivre. C'est descendre prix gaz là sur marché. Descendre prix course machine. Descendre prix produit première nécessité. Descendre prix caille. Descendre prix l'école. Descendre prix l'hôpital avec clinique yo sous deux populations. Dans objectif pour travailler, yo capable de râler en souffle et les toucher au moins capable de garder à gauche ou garder à droite. Nous demandons avec l'État haïtien. Avec patron dans secteur textile là, secteur privé là, oligarchie ça qui tout a pesé sur ces ouvriers yo pour yo retirer genou yo sous coup population qui coupi dans misère cap coupi non avec un salaire tuberculose qui pas ka faire rien pour yo. Nous même nous mandé faut que vie travailler capable changer et nous mandé tout une augmentation salaire minimum qui sont ajustement salaire minimum décent pour ouvrier yo. Nous mandé faut ouvrier yo capable vivre même ça avec nous. Nous mandé faut que salaire monte parce que ajustement salaire pas jamais fait. Patron yo gon sel discours depuis en 2009. En 2009 salaire était 70 goud. Nous manifester pour demander le monter, yo di izin yo pa le fermer s'il monte. Li sorti 70 goud monté dans 150 goud. Nous avons 20 000 emplois. Les salaires avaient monté, nous avons 30 000. Tant de salaires prend poil. Nous avons environ 60 000 ouvriers qui travaillent dans le secteur textile. Syndicaliste Dominique Saint-Éloi, est dans le micro et devant la caméra, correspondant nous dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. Toujours sous le même dossier, M. Level Fanfan, qui est avocat ouvrier factorio, dit décision administration Moïse Joutla prend pour affichage en goud prix produit. Correct, mais il faut que l'État ajuste le prix. C'est une bonne initiative, mais c'est une initiative qui méritait compléter. C'est une initiative qui méritait de l'autre mesure qui doit prendre avec. Très bien. Première mesure est que vous dites pour vous mettre le prix en goutte. Mais ce n'est pas seulement mettre le prix en goutte. Il faut que vous ajustez le prix. Ce n'est pas seulement pour vous dire que vous dit market yo mettez prix en goud. Faut que yo di market yo pour yo ajuster prix yo par rapport à marge de profit que y a fait sous marchandise yo. Comme on comprend, on moun acheté par exemple une boîte lettre, donc on l'acheter caisse lettre là, la fait 600% son caisse lettre. Donc c'est pas seulement prendre le temps pour mande yo pour yo mettre en goud parce que qui ça moun yo fait? Les dollars par exemple était vaut 100 goud. Et bien, l'État, dans la mesure que la prend
ça me les mesures 50-50, ça veut dire que on mesure on petit gens wadi ya. Et bien, coup de là, il dit mettez prix en goutte, qui ça le fait? Puisque dollar, donc on bagaille ou tap caché 1 dollar pour 100 goutte, yo mettez 400 goutte. Qui est-ce qui est puni? Ça veut dire que décision Banque Centrale la prend, qu'on est là, par le fait que il y a des autres décisions accessoires que l'IPA prend, qui moun yo vin puni qu'on est là, c'est acheteur encore yo puni. Donc, boîte lettre y a demandé, au lieu de mettre, retirer en dollar, mettre en goutte. Donc, là, yo mettez en goutte là, yo vin faire population payer pour casser ya. Qui ça moi même moi dit en tant que défenseur, groupe de moun sa yo, qui soit ouvrier ou qui soit l'autre moun marchand sa yo et l'autre moun qui dans pays ya dans ghetto qui dans situation difficile yo. Un, c'est pour l'état d'accord que pour yo déconcentre ça m'était capable de les retirer pression qui sous dollar de manière générale. D'accord, faut que yo avec et décision yo prend et 114.2 ya, mais en même temps tout l'autre secteur, il faut retirer pression sur lui. Par exemple, on nous prend un bagage qui vient c'est pour nous comprendre. Là, on dit, maison transfert là pour le bail comme là en goutte. C'est bien. C'est une bonne décision. Mais maintenant, il y a des gens qui ont des gens là-bas, par exemple, là, pour le Moukaï, qui a pour 4 000 $, ils voient 4 000 $ à lui. Si on dit qu'on est là, là, il prend comme ça, dans une maison transfert, il y a 4 000 $ dans l'équivalent auto du jour. Et que quand là les monde pral payer kay là qu'on a obligé chercher l'argent en plus pour le mettre sous lit parce que montant que yo ba li là li pas égal à 4 000 $ sur le territoire national. Donc maintenant qu'on l'autre décision qui prend c'est que c'est pour tout conformément à la loi, c'est pour tout paiement fait sur le territoire national en goud. Donc loyer a doit payer en goud national pour que ou pas bay moun ou prétend que ou après résoudre un problème et pour poser l'autre problème ou l'autre côté. Ça veut dire moun ka paye loyer, moun ka paye machine, moun ka paye bon. Si la paye bon on est en dollar et que koune la li même, des fois c'est des moun qui ont consultation internationale. Et puis koune ya paye en dollar. Le yon voye comme la pou li nan mesure transfert ou di bali en goud. Koune le yon bali en goud comme la pas suffit nan mel. Donc là, il y a des mesures d'ajustement qui doit prendre, il y a des mesures complémentaires qui doit prendre de l'État central là, de Banque centrale, de ministère de l'économie et des finances pour ajuster l'ensemble de ces questions. Pour que yo en même temps prendre des décisions pour aider mounio, pour protéger mounio, mais pour ce n'est pas des décisions qui allent punir mounio. C'était Maître Level Fanfan qui est avocat ouvrier Factorio. Mes amis, grand monde pas jouer Maître Corvée quoi. Attention pas capon, même si nous avons des bonnes nouvelles concernant lutte que pays d'Haïti a mené contre pandémie coronavirus là. Et vos infos sur la voie de l'Amérique qui permettent depuis Belleville dans l'État américain. N'a fait deux coups de pied dans la province. D'abord, nous allons dans le département sud pays à côté formation et installation conseil électoral provisoire haïtien. Toujours un grand point qui a dominé l'actualité. Dans le sud pays, divers secteurs ont opinions différentes sous question. Correspondant nous, Jean-Ernst Eliska, gain détail. Divers secteurs dans le sud continuent à réagir sous formation et installation conseil électoral provisoire. Représentant exécutif là dans le sud, délégué Serge Chéri, qui estime que c'est un groupe à gouvernement franchi, quoi, c'est une nécessité pour élection faite en un pays, une façon pour renouveler personnel politique là. Je dis à nous pas capable d'un coup d'état encore, nous pas capable d'un affrontement. Et seule voie nous gagne pour nous faire alternance politique là, pour nous mettre changer mon yo, c'est la voie des élections. Et je dis à mon position pour un pas qui marque. Si pas amendé pour le corriger, la corriger, mais quand même, et tout le monde unanime reconnaître que je dis à l'heure pour élection, l'heure pour préparation élection en fait là, l'arrivée. Sous critique qu'a fait sous façon exécutif la procéder pour former KEPA, délégué départemental sud de Serge Chéri déclaré quelle que soit façon conseil la témonté, adversaire politique yo, pas t'abjem d'accord. En façon pour dire que c'est la montée, on connaît que des adversaires politiques, tout, peut-être, quelle que soit façon de monter, depuis de là, à Paris, fait beaucoup de la toujours gagné une complainte. La toujours gagné une complainte. Mais comme étant donné, on connaît, le président Jovenel n'a pas parlé d'élection encore. Et quel que soit le monde qui monte là, c'est une élection libre qui est pour le faire. Et pour mettre des sortes de je dis à peuple ça, nous-mêmes, comme peuple, nous-mêmes comme journalistes, nous-mêmes comme membres de la société civile,
pas n'importe élection pas faire dans le pays ça. Alors que beaucoup de pays dirigeant opposition radicale là dans sud pays en fait qu'on est ils pas pral dans élection à président Jovenel Moïse. Josué Barthelmy, c'est une nan membre directoire opposition radicale là dans sud. Toutefois que justice pour que j'aime fait sur massacre la Saline pour ces pays au Caraïbe là mettre Edouard du négoci là pour des pouvoirs à l'avenir. Nous pas allons élection en pouvoir comme ça. Et n'a dit ça, il a retourné et dit encore population ça pas qu'à élection avec criminel de Baye pour Jovenel Moïse, assassin de Baye pour Jovenel Moïse là. Et nous dit clair élection non, justice pour conserver de Caraïbes, oui. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique au Caï. N'a prêté toujours dans la province pour nous faire deuxième coup de pied. Nous dans une visite évaluation li fait dans le département Nord-Est là pendant week-end là. Directeur bureau communication ministère éducation nationale monsieur Vincent Melody annoncé dans la presse quelques mesures ministère prend pour accompagner élèves qui pral subi examen officiel yo. Yon reportage Jodley Junior Saint-Ville. Dans l'idée pour évaluer impact programme apprentissage sous radio et sous télévision ministère éducation nationale te mette sous pied pendant période de coronavirus là, directeur bureau communication ministère, monsieur Vincent Melody, samedi 26 septembre 2021, visité département Nord-Est là. C'était occasion pour responsable là te faire un rappel sous déroulement examen officiel yo. À comment ministère comptait accompagner élèves yo dans bayo quelques cours rattrapage dans collaboration avec direction départementale yo. Ministère dans le cadre de période pandémie te mette sous pied un programme pour accompagnement élève pour te permettre pour suite activité apprentissage la pratique et une plateforme non en même temps nous te mettons un programme de diffusion à travers la station de radio et de télévision jeudi on a fait évaluation de travail ça parce qu'il faut qu'on regarde qui impacte lui prochaine passation avec web officiel qui a commencé à partir du 12 octobre nous voulons rappeler à l'attention de tout public département. Examen 9e année fondamentale a fait du 12 au 14. Examen ENI, École normale instituteur avec centre d'éducation familiale a fait du 12 au 15 octobre. Et examen baccalauréat à la fois traditionnel ou secondaire rénové a fait le même du 19 au 22 octobre. Et dernier jour, vendredi 23 octobre, c'est pour Timoun NS3, secondaire 3. Qui pourra passer pour anticiper français. Donc, toute l'école, nous prenons toute disposition dans ce sens. Mais en plus de ça, nous, là, avec le directeur départemental, là, tout pour nous partager avec un ensemble d'initiatives. Quand tu es au courant, à travers le pays, hein, des cours de rattrapage que le ministère a mis sur pied pour accompagner élèves fondamentaux et élèves secondaires. C'est pour nous corriger beaucoup plus de connaissances sur le thème ça qui peut le faire objet d'examen. Puis loin, M. Vincent rassuré candidat sur le contenu examen. Cap mesurer à partir de ça yowen un programme nan. Nous voulons rassurer l'ensemble des candidats dans le pays et particulièrement certains Nord-Est. Examen a fait sous ça yowen pendant l'année. Il n'y a pas question pour pénaliser Timon avec toute difficulté de gagner. Parce que Timon n'est pas responsable des groupes pays, n'est pas responsable des groupes pandémie. Jodley Junior Saint-Ville, la voix de l'Amérique, Fort Liberté. Merci Jodley Junior Saint-Ville, actualité politique et électorale aux États-Unis. C'est dans un petit moment, par l'autre bon pose là. Sous ville Cleveland, dans l'État Ohio, pour premier débat présidentiel dans le cadre élection novembre 2020, entre président républicain Donald Trump et ancien vice-président démocrate Joe Biden, c'était tête chargée, côté te gain en pile agressivité et en pile mauvais mot qui tombait entre deux rivaux et majorité population américaine qui sans doute pral voter. Eh bien, vous exprimez des illusions par rapport à ce qui s'est passé hier soir et vous pensez que ce n'est pas un bon spectacle que l'Amérique ou bien les États-Unis t'ont offert. Jean-Aubert Philippe, pour dire plus depuis Hartsville, dans l'État Maryland. Premier débat entre président Donald Trump avec le candidat baptiste démocrate là, Joe Biden finit en queue de poisson sans pas gagner aucun vainqueur. Parmi les raisons à analyser Joe Biden, c'est le fait que le président Donald Trump pas suspendre interrompre rival démocrate lié à Joe Biden. Avant, Youn a commencé à inciter l'autre là pendant le débat qui te rend le travail modérateur qui soit là difficile. Débat qui était bien démarré par le président pour te prendre un autre niveau entre deux candidats sur une série de sujets, tant qu'on prend demi COVID-19 là, qui touille plus passer 1 million de monde sur la planète là, avec plus passer 200 000 monde aux États-Unis.
The president has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious this crisis was. Trump. Candidat parti démocrate là, Joe Biden, déclaré présente qu'on n'a pas gagné aucun plan. Il n'a pas proposé rien. Il était au coin de gravité crise là depuis le commencement du mois de février. We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators, and now we're weeks away from a vaccine. Président Trump, beaucoup de parle de fin de tête, il a fait qu'on est libre de pandémie, une réponse efficace. Nous avons uniformes, masques, nous fabriquons respirateurs artificiels ou pas de fabriquer. Je dis à nous manquer plusieurs semaines pour nous gagner disponible un vaccin. Ancien vice-président critiqué, bien critiqué, et fort président Donald Trump fait pour le mettre fin dans la loi sur 61 américain qui est une jouette Obamacare qui te permet environ 20 millions d'Américains d'avoir accès à la santé. Le président a déclaré la loi était inconstitutionnelle, peut-être les limiter choix consommateurs. Plan ancien vice-président Joe Biden, non, qui c'est une expansion Obamacare, là, prévoit électeurs capables de faire plan à science privée déjà gagné. They can, they do, they will, under my the exchange. Ils sont capables, ils sont faibles, ils sont capables d'abri proposition PAM, non. Débat est dégénéré tout de suite, normalement, chaque candidat a été empêché de l'autre parler. Obamacare is no good. We made it better. Président Trump déclaré Obamacare pas de bon, nous améliorer. Le président Trump accusé candidat parti démocrate là, Joe Biden, lui dit qu'il a encouragé la médecine socialiste. Dans l'autre point chaud dans le débat, c'est choix président Trump fait pour combler vide dans la Cour suprême, non, après la mort du juge libéral, Ruth Bader Ginsburg. Président nommé juge conservateur Amy Coney Barrett pour lancer le processus de nomination dans le même moment, électeur dans plusieurs États commencé à voter avant date élection 3 novembre. Non. Quand le parti démocrate là, Joe Biden déclaré, quel que soit avec l'élection 3 novembre, non, c'est lui-même qui doit remplacer le siège de Justice Ginsburg là. The American people have a right to have a say in who the Supreme Court nominee is. Trump. Peuple américain a un droit pour le bail, disons, son nomination juge Cour suprême, non. We won the election and therefore we have the right to choose her. Président Trump répond, c'est responsabilité PAM pour me nommer une place, quelle que soit la circonstance là. Nous avons remporté l'élection passée, par conséquent, nous avons droit à choisir le juge là. I think what viewers saw was President Trump who was in command of every moment of the debate and I think they saw a weak Joe Biden. Tim Murtaugh, directeur de communication campagne électorale Trump 2021, dit qu'il est satisfait avec le débat. Il a ajouté sa téléspectateur théorie.